Une journée avec Laurent Casano, le compositeur de Enceinte. Be Kind Rewind. En bonus, un entretien avec Francis Lay. Rencontre avec le trio de Jazz for Dogs. Béo, le couple déjanté s'invite à la masterclass du festival. FIFA, quel soleil! Je vais pas la déranger comme ça, tu crois? Oups. Oh, je fais tout tomber! Ah bah bravo! Ah bah voilà! Casano est là! Où est-ce qu'on prend nos accrédites, les Benoît? Je vais aller voir Aimé. Hein, t'as vu quand même notre nouveau lieu? C'est grand. T'as vu comme c'est gros? Viens, je te fais visiter. C'est là qu'il mixe le matin. C'est là qu'il mixe. Super! C'est magnifique. C'est chouette, hein? Ah ouais. Oh, c'est super. Oh, c'est énorme. Ouais. C'est Laurent super. Casano. Bonjour. Ouais, salut. Alexandre. Laurent, enchanté. Tiens, salut, j'ai vu ton photo, ton nom. Ah oui, j'ai fait la musique du film Enceinte qui a eu le prix CERA l'année dernière. Qui est obtenu donc par Audrey Louis, qui est la réalisatrice. Lors du premier rendez-vous, c'était de lui proposer ce que voilà ma vision musicale par rapport au projet, et c'était surtout de lui dire voilà, moi en tout cas, si j'avais à faire ce projet-là, je le ferais comme ça. Moi, ce que j'apprendais par rapport au compositeur, c'était comment parler de la musique, des instruments. J'ai pas une grande connaissance de chaque instrument, parce que c'est le festival d'Aubagne aussi qui a fait que j'ai pu rencontrer Laurent. Et c'est vrai que c'était la partie la plus simple du film, ça a été le travail avec le compositeur. Ah. Ça, c'était... Non mais c'est vrai, hein. Ça a été vraiment le... Écurie, ouais, le plus facile, et je pensais pas que ce serait simple. Il n'y a pas d'autre festival qui met autant un lien sur le trait, sur la musique comme ça du film, et donc ici on se sent comme à la maison, quoi. Donc voilà, c'est vrai. h, mix and breakfast, suivi d'une rencontre réalisateur-compositeur. Je suis ici parce que je suis très intéressé dans le procès de faire la musique pour le film. Trois films étaient en compétition. Deux automnes, trois hivers, de Sébastien Bedbeder. Désolé, ça va. Bluebird, de Lance Edmonds. A Long Story, de Jorien Van Ness. Francis Lay nous a accordé un petit entretien. La musique de film dépend toujours du compositeur et du réalisateur. Lelouch le dit aussi, la musique doit jouer son propre rôle, comme si c'était un acteur. Voilà. Quand on peut utiliser un véritable orchestre avec de vrais musiciens, c'est quand même autre chose. Parce que ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a le cœur, il y a le sentiment, il y a la réaction humaine qui n'existe pas avec la machine. Le temps d'une soirée, nous avons découvert les clips en sélection officielle du FIF de Namur. Jazz pour chiens. Jazz for Dogs, c'est ce disque qui a été créé par Jean-Michel Bernard, qui est un homme brillant. Et je ne m'associe qu'aux hommes brillants et aux femmes brillantes, Kimiko, qui a fait les paroles. Jean-Michel a fait la musique. Après, j'ai écrit
les paroles. Parce que c'est elle qui en fait a déniché la plupart des morceaux, puisque à l'origine, Jazz for Dogs, il y a 5 ans, est né du fait que j'avais fait un certain nombre de morceaux pour un film que j'avais enregistré dans un de mes claviers dans le salon, en fait, un clavier Nova, et Kimiko est venue fureter dedans en se disant « Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? » Et puis elle s'est dit « Tiens, peut-être que je pourrais mettre un texte là-dessus. » Et puis elle a commencé à faire des montages, des collages. Okay, mais c'était des très belles mélodies, je pense. C'est gentil. Merci. Il y a quelques morceaux qui sont effectivement assez stylés jazz, mais c'est pop, c'est rock, c'est funky. Pour le concert, on a aussi la chance d'avoir des photos qui vont être projetées au public. Donc ça va faire un beau spectacle qui sera en même temps un spectacle visuel. C'est l'occasion effectivement rêvée de pouvoir retrouver tous ces musiciens formidables. Et c'est les musiciens du disque, hein, c'est pas les musiciens qui sont sur le disque, qui sont là, tout le monde a répondu à l'appel. Ouais. Donc on fait la première mondiale, voilà, grâce au festival d'Aubagne, ici. Ouais, d'accord, Mon Better Blues. C'est minable. C'est ici la salle de musique? Bah ouais. Toujours sorti l'âme d'un artiste. Tocard.